Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer à plusieurs parodies de Five Nights at Freddy's. Et oui, je parle en rythme avec mes mains, c'est très intéressant. On commence tout de suite avec Five Nights at Bikini Bottom. Donc normalement chez Bob l'éponge quoi. Oh mon dieu, il était là. Mais pourquoi les portes étaient fermées aussi mec? Ça prend un max de... Oh il est là-bas, il y a un truc... What? Oh non, c'est nul à chier. Voilà, je décroche et alors qu'est-ce qu'il dit le mec? Il a pris sa meilleure voix. Oh c'est chiant ce qu'il dit. Oh va-t'en Bob l'éponge. C'est bien fait en plus hein. Enfin bon voilà, vous m'avez compris. C'est bien fait de manière modérée. Putain je l'ai vu Carlo, j'ai vu son nez. J'ai vu son gros nez dépasser de la porte. What? Vas-y Sandy. Non mais c'est la fête quoi. Il y a tout Bikini Bottom qui est à 1 cm de moi. Quel est le fuck? Calmez-vous! Calmez-vous! Il n'y a même pas de touche pour recommencer! Il vient tous un par un, la queue le chacun à son tour, mais je vends pas des barbes à papa, moi, bordel! Ils sont trois! Putain, ce téléphone, faudrait que j'ai vraiment la touche, ferme ta bouche! C'est Nawak! Regardez, Carlo, c'est Patrick qui fusionne! Hop là, j'ai vu Patrick! Hop là, j'ai vu. Ses yeux de pervers là, putain! J'ai pas mis une jupe bien, j'ai mis un bon gros jean baggy! Absolument rien de moulant sur mon corps aujourd'hui! Merde! Ah non! Mais j'ai pas le temps de lui casser super dur en plus! T'as Calo, j'ai voulu lui pincer le nez comme ça, de lui, hein, de lui. C'est mon bruitage de klaxon, ok? On est maintenant sur Five Nights at Wario, qui lui, pour le coup, elle a vraiment bien fait. C'est parti, new game! Crois-moi, Wario, il veut nous affronter, on fait pas le malin, il fait 100 fois mon poids. Il était une fois l'histoire d'un mec qui s'appelait Mario. Il travaillait dans un fast food, t'as comme par hasard, hein, on se demande pourquoi. Un jour, les deux personnes ont disparu, et ils n'ont jamais. Est-ce qu'ils sont quelque part? Ah bah voilà! Là je m'y retrouve bordel. Même la voix est beaucoup plus sympa à écouter quoi. Il s'est pas donné un style en faisant une voix mi-aiguë, mi-nulle. Wario ne! Attends, on a quasi plus de batterie, on doit tenir jusqu'à 6h du match je crois c'est. Vous m'observiez. Il y a Wario comme ça. Waluigi pardon, c'est pas Wario du tout. Ah, on le reconnaîtrait, c'était Wario hein. Au niveau de la brioche, il y aurait voilà 2 kilos de plus. Mais où sont-ils? Oh, j'ai trouvé Wario, il est là. Et Waluigi, il est passé où au final avec ses grandes jambes? On peut pas le rater ce grand dadé hein. Wario n'a plus de pupille hein, ça a disparu, il les a mis dans les burgers qui est préparé. Ça me donne la gerbe de faire gauche droite gauche droite, j'ai vraiment le vomi. C'est l'Oculus mais sans le réalisme mais juste avec la gerbe. Et ben voilà. Non, mais ils sont même pas venus jusqu'à moi. Mais où êtes-vous? Je vous cherche. Oh, il est là. Putain, regardez. Il fait presque la hauteur du plafond, enfin pas la hauteur du plafond mais bon. Oh, oula, c'était confus hein. C'est Luigi, il y a Luigi qui se ramène mec. Ils auraient pas pu mettre Peach hein, à ça non hein. Ou Daisy, faut que ça mette de l'homme bien viril à la moustache. Mais c'est vrai qu'ils sont tous moustachus. Ah, Wario est aux toilettes. Voilà où il est préparé ses frites. C'est quand qu'il y en a un qui passe me voir au bureau quand même, ça fait longtemps là. Là on aurait pu jouer je sais pas à WoW là sur cet écran. Oh. Ouh. Ça m'a réveillé d'un coup sec. Ah, passionnant. Oh, j'ai eu un truc dans la gorge. C'est Wario ça, il me lance des frites. Alors est-ce qu'il y a Peach un jour? On veut Peach. Oh mon dieu. Luigi possédé avec le nez de Carlos. Oh mon dieu, mais il est immense! Regardez-le! Ils ont tous le nez de Carlos en fait dans ce jeu. Oh! Hop là! On ferme le volet. Oh putain, mais attends, il enchaîne le mec quoi! Oh là là! C'est partout, ils sont là! Mais quel est le fuck? Mais va-t'en putain! Mais barrez-vous tous là! Mais regarde ça. Ah voilà, au moment. Bon, je vais faire ça à chaque fois! Non mais regardez ça! Vous voyez, dès que je vous montre, ils sont plus là, c'est con. Ah, ok, pardon. Regardez ça! Regarde, c'est une feinte. Regardez ça! Regardez ça! Regardez son. Ah! On y revient! Ah putain! Lui aussi il est revient le con! On est maintenant sur Five Nights at Freddy's Labyrinthe. Et la particularité dans celui-là, c'est qu'on peut se déplacer. Ah, ah tête. Oh, c'est mieux! Remember the. Yeah, I guess. Never get. Attends, mais c'est super long là! Ah, il se passe. Oh putain, c'est stylé par contre là! Oh what? Il y en avait un qui était déjà là, vous l'avez vu? C'est scandaleux quoi. Oh, regardez, il est là, il est juste là mec. Je filme, je dois filmer ce qui se passe. Jean-Michel en direct de Arte, qui se réfugie aux toilettes des femmes. Oh merde, occupé. Ne cours pas, ne crie pas, ne fais pas caca par terre. C'est les règles pour notre sécurité. Quitter l'endroit avant qu'il fasse noir. Ah et bah moi il fait noir et je suis en plein dedans. Quel est... Et qu'est-ce que je suis censé faire en fait? Est-ce que je peux mettre en fœtus sous la table? Oui, je suis sûr que je peux. Ah non. What? Je peux mettre en fœtus dans la table. C'est encore plus efficace, regardez, je me mets direct dans le masque. Tac. Bah je crois qu'on a fini le jeu hein du coup hein. On est bien hein. On se voit. Ah, il nous a vu. Oh là, quelqu'un. Pardon. Ok, t'as pas espagnol, je dirai en allemand prochaine fois. Moi je trouve ce gameplay passionnant. Et les zooms à quoi ils servent sans déconner? Ah ok, à se faire du. Ah, ça me casse le couille hein. Vous avez vu, j'ai une poussée de virilité. C'est vous dire à quel point ça me saoulait. Nous sommes maintenant sur One Night at Flumtail. Et ce que j'aime bien déjà, c'est que c'est qu'une nuit, donc ça va être cool. Allez, deux nuits chez Wario, on s'en souvient, hein. Oh putain, il est carrément bien fait celui-là. Oh le plaisir après ces déchets auxquels on vient de jouer. Bon, c'est pas des déchets, mais bon, voilà, y a mieux. Par exemple, là, c'est carrément bien fait, quoi. C'est eux qu'on craint, c'est ça qu'on doit craindre quand même, c'est vous dire. Regardez-le, on doit craindre ça. Quoi, voulez-vous craindre un œuf? Oh mon dieu. Ah, c'est pas ce que vous croyez, j'essaie juste de voler mon nez, regardez, ah, c'est bon jeu. Déjà, je trouve que le jeu est beaucoup plus réaliste, étant donné le bordel du bureau du mec. Ça, c'est un vrai bureau, on est d'accord, c'est tous comme ça chez nous. Oh le con. Il aime vraiment montrer ses dents. Oh mais va-t'en, on a vu. Ton père est peut-être orthodontiste mais c'est pas une raison. Voilà, surtout quand tu t'adresses à un mec, il est dans le jaune dégueulasse. 2h du matin, il nous reste les deux tiers de la batterie.
Oh mon dieu. Mais moi j'aime beaucoup lui. J'ai pas envie de lui faire monnaie, j'ai envie d'ouvrir, de mettre la lumière, de lui faire un câlin. Bah il s'est barré, il voulait pas de mon câlin. FDP. C'est pas mal. C'était quoi ça? Et c'est plus du tout mignon du coup là. Il reste 2 heures et on a un tiers de la batterie, ça peut passer. Je pense qu'on va être en rate de batterie. Pourtant je fais que de faire ça là. J'ai eu peur d'un castor. Je viens d'avoir peur d'un putain de castor. Oh j'étais à fond, je pensais vraiment qu'on allait réussir, je suis dégoûté. Et bah savez quoi, je vous propose qu'après cette perfection on fasse le pire de tous. Vous savez déjà en voyant cette image que ça va partir en couille. Croyez-moi que là on est dans le très très lourd. Chargement des images qui font peur. Déjà rien que ça, ça va pas du tout. Try a raw case to change a camera. C'est fait avec des images réelles. Donc un mec qui a pris des photos chez lui. Par exemple il s'est dit, wow, un tapis de course c'est vraiment effrayant. Press tab to look into the hall. Espace to shine flashlight. J'appuie, tac. Voyez le temps que ça met, c'est incroyable. Ah je recharge les piles, d'accord. Non mais les gars, juste un moment. On parle de qualité, on parle pas de qualité. Ah la bedroom elle est un peu badante par contre. J'avoue avec le petit effet de lumière au fond ça fait assez moyen. Mais on va voir des monstres des fois les caméras ou pas du tout. Attends mais on voit très bien sans allumer la flashlight. Quel intérêt la flashlight? Oh mon dieu, y'a un mec là, y'a un mec là. Regardez le mec, il est juste là. Oh mon dieu, vous avez vu, c'est un club de golf qui volait putain. Quoi, je suis mort? Le club de golf, on aurait dû s'en méfier. Oh regardez, y'a une araignée quoi. Et quel don. Alors j'aimerais tellement que là on voit un mec courir sur le tapis de course comme ça. Ce serait très... Oh mon dieu, l'araignée est juste là. On l'a eu. Par contre tu enlèveras la poussière qui a sur ton... J'arrive plus à parler. Oh mon dieu. Oh le malaise. Oh je vous jure, je me sens pas bien quoi. Les scènes, regardez, c'est génial quoi. On voit un mec habillé en noir de dos comme ça, c'est fantastique. Il faut vraiment qu'il retire la poussière sur son PC. Mais vraiment, après tu pourras plus faire de jeux superbes comme ça par exemple. Ah regardez, il y a l'araignée sur le lit. En plus c'est grillé que c'est une fosse, elle a des gros points entre les articulations quoi. Oh c'est fan... Ah je suis décédé. Waouh, non zut. Bon et ben voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo sur ces petites versions différentes. Et bon pour ça c'est une parodie, c'est clair et net, c'est une parodie de Five Nights at Freddy's. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à aimer la vidéo comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui on a tapé dans la qualité. Souvent des gens me disent que je devrais faire des vidéos sur des jeux de plus grande qualité. Et ben aujourd'hui je les ai écoutés ces gens là, voilà. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Vous savez quoi faire avec vos deux doigts, ciao tout le monde, peace. Et toi ton chat dans la vraie vie fait pas ça non? Il te regarde en espérant que tu lui donnes toujours plus de croquettes jour après jour. Fils de chat. Jumbo prend exemple.